dans quelques semaines, pour la troisième fois, les habitants du canton de Vaud, sans passeport suisse, auront le droit de voter sur le communal, pour les élections, à condition qu'ils habitent depuis 10 ans en Suisse et à condition qu'ils habitent depuis 3 ans dans le canton de Vaud. 5 cantons donnent à la population étrangère la possibilité de s'exprimer par les urnes dans l'ensemble de leur commune. Donc on voit la porte d'accès aux droits politiques formels est plus ou moins ouverte selon l'endroit dans lequel on vit. Et parfois on trouve même porte close. Et là je crois qu'il y a un chiffre qui est important de rappeler ici. C'est que dans les faits, ça signifie que dans notre pays, 1 million de personnes n'ont, du fait de la commune dans laquelle ils vivent, aucune possibilité de participer formellement à la vie politique, à quelque niveau que ce soit. Et je crois que c'est un chiffre qui parle de lui-même. On parle des migrants en absence des migrants. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. L'objectif de cette journée, c'était de mobiliser les migrants, de les sensibiliser sur l'importance du droit de vote et de l'éligibilité pour les élections communales de 28 février prochain. Mais aussi, ce journée, c'était pour sensibiliser les partis politiques par rapport au droit de vote des migrants, de sensibiliser les partis politiques, de les encourager d'aller vers les migrants, de les recruter, de les convaincre afin qu'ils adhèrent aux partis politiques, afin qu'ils participent à la vie politique. Je pense qu'il y a une ouverture de la part des partis politiques sur le droit de vote des migrants sur le plan communal. Mais en ce qui concerne le droit de vote sur le plan cantonal et fédéral, on est encore trop loin et il faut lutter. Nous devons lutter avec les partis politiques qui sont convaincus, avec les syndicats, avec les ONG. Donc je pense que c'est un droit de citoyenneté. Et puis quoi que soit notre statut, nous devons pouvoir bénéficier des droits politiques. Mais si la naturalisation est le seul moyen, dans ce cas-là, je dirais que les politiques de la naturalisation sont rigides, dures et il faut les faciliter. Les migrants sont très sous-représentés. Déjà dans les cantons où ils ont le droit de vote sur le plan communal. Donc les chiffres dans l'exécutif, il y a quasiment très peu de migrants qui sont dans l'exécutif communal. Et s'il y en a quelques-uns, sont dans des tout petites communes. Je pense que déjà c'est un défi important pour l'état de droit, pour la démocratie et pour vivre ensemble. Et je pense qu'il faut encourager ce genre de journée, il faut les élargir vers les autres communes. Pour toute la population, il y a un certain nombre de droits. Le droit de la liberté de la presse, la liberté d'opinion, la liberté de réunion, qui sont ouverts à tout le monde, indépendamment de leur nationalité. En revanche, c'est la participation institutionnelle qui, elle, est limitée. Par exemple, pas de participation politique institutionnelle au niveau fédéral. Le fait que la participation au vote pour quiconque, y compris donc pour les Suisses, varie en fonction d'un certain nombre de paramètres, notamment par exemple, tout simplement de l'âge. Il en va de même pour le niveau de formation. On sait que la participation électorale augmente à mesure qu'augmente la formation. Or, parmi les immigrés, il y a une proportion plus grande que la moyenne de personnes faiblement scolarisées. Donc on va imputer à l'origine nationale ce qui relève au contraire de la différence de formation. Tous ces facteurs doivent être pris en considération pour dépasser l'image trop figée et de ce fait pas correcte qui est celle tout simplement de la comparaison par origine. C'est la peur qui est à l'origine de beaucoup de décisions prises à l'endroit des personnes étrangères. Et parfois même, on oppose une peur contre une autre, suivant le but que l'on poursuit. Mais au fond, on utilise le même ressort, la peur. Dans le domaine des droits politiques, de quoi a-t-on peur ? Eh bien, il se peut qu'on ait peur de sacrifier la nationalité suisse. Il se peut qu'on ait peur que les autres n'imposent leurs lois. Il se peut qu'on ait peur d'accorder des droits à des personnes qui ne seraient pas capables de les exercer. Il se peut qu'on ait peur
de perdre sa supériorité. Il se peut qu'on ait peur que cela ne profite aux gauchistes. Et je mets cela bien entre guillemets. Toujours, on encourage les femmes, surtout les femmes migrantes qui sont isolées, à participer à la vie active et pourquoi pas politique de la Suisse, du pays où on vit. Je suis d'origine étrangère, moi aussi, et je trouve que si on parle d'égalité des chances au niveau communal, cantonal et de la Confédération, c'est très important de ne pas oublier toute cette communauté qui crée tous les étrangers et qui sont là, qui profitent bien à la vie économique, politique et sociale de la Suisse, mais n'ont pas le droit de s'exprimer, de donner leur avis, de donner leur vote. Et je trouve ça injuste.